Se supone que estoy viendo si se está transmitiendo. Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Je m'appelle Francis Verriot, je suis directeur adjoint de Sciences Po en charge du développement international. Je crois que je connais un certain nombre d'entre vous, mais pas tous. Donc bonsoir, merci d'être ici, bienvenue à Sciences Po. Je voudrais d'abord remercier Madame l'ambassadeur, messieurs les ambassadeurs qui se sont réunis ce soir pour discuter, pour présenter, pour échanger en fait essentiellement avec vous sur un sujet qui n'est pas un sujet évident, je crois, et donc l'alliance, le projet d'alliance du Pacifique. Mais je pense qu'autour de ce projet, autour de ce sujet, vous pourrez aussi ouvrir d'autres pistes, d'autres échanges par rapport aux quatre pays qui sont ici ce soir représentés. Je voudrais simplement, au-delà de la discussion et des échanges qui auront lieu ce soir, simplement donc rappeler que Sciences Po est fortement engagé dans le monde, c'est vrai, et donc tout naturellement fortement engagé vis-à-vis avec l'Amérique latine, et je pense que la salle reflète cela très bien. Il y a à Sciences Po de nombreux étudiants qui viennent de toutes les parties, de tous les pays en fait d'Amérique latine, je pense de tous les pays sans exception d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils sont tous là ce soir, et ces étudiants partagent avec des étudiants du monde entier, j'allais dire des étudiants français, mais non, avec des étudiants du monde entier qui viennent de tous les continents, de tous les pays du monde, partagent au fond
un projet ou des projets éducatifs. Et c'est ça que Sciences Po peut offrir. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde, je ne vais pas édulcorer sur ce sujet, qui est un monde complexe, de plus en plus finalement difficile, où les alliances, où les rapports entre les uns et les autres se développent. Je crois que si Sciences Po peut faire quelque chose dans sa mission, qui est une mission tout simplement d'université, c'est-à-dire de formation et de recherche, si Sciences Po peut ouvrir ses missions de formation et de recherche sur le monde et sur la complexité du monde, je crois que ça fait partie de notre tradition depuis la création de Sciences Po en 1871. Je crois que nous répondons bien à cela. Alors, l'Amérique latine tient tout particulièrement à notre cœur, parce que je crois qu'on parle d'Amérique latine, on parle aussi du cœur. Je pourrais citer ce que nous faisons de façon particulière, et notamment, il doit y avoir, j'imagine ici, des étudiants qui sont à Poitiers, ou qui sont passés par le campus de Poitiers, qui est un campus qui rassemble précisément l'Europe et l'Amérique latine, si on peut faire un effort très considérable sur cet ensemble. Et je sais que certains d'entre vous, messieurs les ambassadeurs, seront ou vont aller ou sont allés à Poitiers échanger avec les étudiants qui sont évidemment très, très demandeurs de cela. Plus personnellement, je dirais que j'ai moi-même un rapport à l'Amérique latine qui est un rapport affectif. J'ai vécu au Mexique, j'ai vécu au Chili, j'ai une fille qui enseigne en ce moment en Argentine, à Rosario. Voilà, donc l'Amérique latine, c'est pour moi incontournable. Donc je vous invite ce soir tout simplement à partager à la fois des idées, à partager sur les projets et sur le fait que l'Amérique latine est porteuse d'avenir, mais aussi échanger peut-être aussi un peu avec le cœur. Voilà. Très bonne soirée à tous. Merci encore. Je vais passer la parole à mon ami David Recondo. Bien, bonsoir. Je vais simplement moi-même passer la parole immédiatement aux organisateurs et notamment à Monica Hélène Winter qui a été au nom de l'association de Mexica Sciences Po la cheville ouvrière de cette manifestation, une grande première de l'association de Mexica Sciences Po. Moi je me permets juste de vous féliciter toute l'association et voilà. Merci. Et bonsoir. Au nom de l'association du Mexica Sciences Po, je vous souhaite la bienvenue à la table ronde l'Alliance du Pacifique, quel avenir? Nous voulons avant tout remercier les ambassadeurs des 4 pays qui font partie de cette initiative d'intégration régionale en Amérique latine pour sa présence. Monsieur Agustín García López Loaiza, ambassadeur du Mexique en France. Monsieur Federico Rengifo Vélez, ambassadeur de Colombie en France. Madame Cristina Velita de Laborex, ambassadeur du Pérou en France. Et M. Jorge Edwards Valdez, ambassadeur du Chili en France. Merci beaucoup. Nous souhaitons remercier aussi à M. Francis Verriot, directeur adjoint chargé des affaires internationales, pour accueillir nos invités au nom des Sciences Po. Également, nous remercions M. David Recondo, qui sera l'animateur de cette rencontre. Nous tenons à remercier la direction de la vie universitaire des Sciences Po pour son support, et l'ambassade du Mexique en France pour avoir coordonné cet événement avec nous. Enfin, nous remercions également à tous les représentants des institutions et délégations des pays concernés qui sont présents. Les différentes organisations intéressées par l'Amérique latine, bien sûr, l'équipe organisatrice de l'Association du Mexique à Sciences Po et les associations étudiantes présentes, en particulier l'Association AS Colombie pour sa collaboration. Et toute la communauté académique qui nous accompagne aujourd'hui. L'Association du Mexique à Sciences Po est une association étudiante reconnue depuis 2012, qui a pour vocation de rassembler les personnes ayant un intérêt pour le Mexique et ses enjeux communs avec les pays d'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Notre association vise à contribuer à la promotion d'une connaissance approfondie de cette région et à nourrir les débats sur les principales thématiques à travers la création de plateformes d'échange et de discussion. Notre association vise à contribuer à la promotion d'une connaissance approfondie de cette région. Nous participons ainsi à la création et
au renforcement des réseaux d'étudiants, de professeurs, d'institutions et de grand public qui partagent non seulement un grand intérêt pour la région, mais aussi une profonde volonté de concourir à l'amélioration du contexte social, économique et politique dans diverses thématiques comme l'environnement, la compétitivité, le processus démocratique, pour n'en citer que quelques-uns. L'Alliance du Pacifique a donc un intérêt tout particulier pour nous. Nous souhaitons mieux comprendre les enjeux qui se posent pour chaque pays et les perspectives d'avenir. Je passe la parole à M. David Recondo, chercheur en politique comparée à Sciences Po et membre du Centre d'études et recherches internationales de Sciences Po, CERI, depuis 2004. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monica. Merci à tous. Et c'est vrai que ce n'est pas que l'association du Mexique à Sciences Po. C'est bien injuste. Surtout, l'intérêt de cette manifestation, c'est précisément d'avoir ici, et je les remercie encore une fois, les ambassadeurs des quatre pays concernés par cette initiative de l'Alliance Pacifique. Je ne serai pas plus long, mais je vais surtout arrêter ici le protocole et permettre de rentrer directement dans le vif du sujet en passant la parole, si vous le voulez bien, monsieur l'ambassadeur. Du Mexique, Agustín García López Loaiza, pour une intervention courte pour qu'on puisse enchaîner les uns et les autres, qu'il y ait un peu de dynamisme et de discussion, de questions-réponses que vous pouvez faire, et un grand public qui aura certainement plein de questions à poser, de commentaires à faire. Si vous le voulez bien, monsieur l'ambassadeur, je vous passe la parole. Merci. Non, c'est tout. Tout seul ou automatique déjà. Alors, c'est aussi automatique que nous soyons ici à cette grande université, à laquelle, donc, bien sûr, historiquement, le Mexique et l'Amérique latine, on a de grandes alliances, nous sommes amis. Simplement, vous pouvez dire très vite que, qu'on a justement la gestion du Mexique, si on se prend la propriétaire et tout. Est venu justement pour nous offrir ce forum. Moi, je me suis dit, bon, il faut l'opportunité pour qu'on soit tous les quatre, les ambassadeurs qui sont membres de l'Alliance du Pacifique. Alors, je souhaite remercier, bien sûr, les ambassadeurs qui m'accompagnent ici. Merci énormément. Bien sûr, Monica Eden-Winter et l'organisation de l'Association du Mexique elle-même pour l'action de cette table ronde. Et je souhaite aussi remercier également à Francis Perillo, le directeur adjoint de Sciences Po, et chargé d'affaires des internationales pour son grand et chaleureux accueil, ainsi que à toi, David. L'Alliance du Pacifique, comme vous avez dit, le projet, on espère que ça soit plus un projet, j'essayais de faire la preuve, est un mécanisme d'intégration régionale conformé par le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou. Son objectif principal, c'est d'avancer progressivement vers la libre circulation des biens, services, capitaux et personnes, favoriser le commerce interrégional, positionner la région dans les marchés de l'Asie Pacifique et créer des synergies avec d'autres régions, notamment l'Amérique du Nord et l'Europe. L'Alliance est positionnée pour devenir la 10e économie mondiale dans le futur proche, j'espère. Cette association régionale veut créer un marché attractif unique dans ses pays membres en augmentant leur compétitivité au niveau international. En outre, l'Alliance est une plateforme pour la diversification des exportations, la création d'emplois et une croissance économique plus importante. En effet, avec cet accord, les pays ont la volonté d'établir un espace économique stable via des garanties juridiques solides, car l'Alliance, dans laquelle la France a été admise comme pays observateur en mai 2013, suscite de plus en plus d'intérêt de l'Union européenne elle-même et des pays asiatiques comme la Chine et la Corée du Sud. Effectivement, les quatre pays qui conforment l'Alliance sont tous situés sur les versants occidentaux de l'Amérique latine et donc bénéficient géographiquement d'une proximité avec l'Asie. Ou bien une orientation vers l'Asie. Bien plus qu'une géographie commune, ces quatre pays
ont une vocation démocratique solide, bénéficient d'une stabilité politique, d'une sécurité juridique et d'une croissance économique continue. Ils partagent également des valeurs communes telles que le libre marché, l'échange d'informations, le commerce et la coopération internationale. Ils ont chacun un traité de libre commerce avec les autres trois et avec l'Alliance, nous négocions un traité entre les quatre. Trois sont membres de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique avec le Mexique, le Pérou et le Chili. En outre, le Mexique et le Chili sont membres de la OCDE, tandis que la Colombie est dans le processus d'adhésion et le Pérou a signé en octobre 2013 la déclaration de l'OCDE sur l'investissement et les entreprises internationales, qui va aussi devenir membre prochainement. De plus, ces pays partagent une vocation latino-américaine. Ils sont ouverts à l'addition des nouveaux membres qui, parmi les membres de la communauté des États latino-américains, CELAC, veulent établir des traités de libre-échange et partager les principes et les objectifs de l'Alliance. Tel est le cas du Costa Rica qui a commencé son processus d'adhésion. Objectif, croissance économique. Numéro 1, un PIB qui combine les 2,11 billion au sens billion français, espagnol, pas anglais bien sûr, des dollars en 2013, et un marché de plus de 200 millions d'habitants. Le Mexique représente 59% du marché et 58% du PIB combiné, soit 118 millions d'habitants, un PIB nominal de 1,25 billion de dollars, ainsi qu'un taux de croissance de plus de 3,5% et des investissements étrangers de plus de 38 milliards de dollars. Il s'agit des investissements les plus élevés enregistrés en Amérique latine, plaçant le Mexique au 12e rang mondial des investissements devant même l'Allemagne et les Pays-Bas. Dos, avec un taux de croissance de 4%, supérieur à la croissance mondiale qui s'élève à 3,6%, l'Alliance concentre à elle seule 36% du PIB total et 50% du commerce total de l'Amérique latine. L'Alliance est donc la 7e région d'accueil des investissements directs étrangers ayant attiré 83 milliards de dollars en 2013. D'ailleurs, les quatre pays de l'Alliance détiennent les quatre premières places de l'Amérique latine dans le classement de la Banque mondiale Doing Business. Objectif, libre circulation des biens, services, capitaux et personnes. Numéro 1, dégrèvement tarifaire graduel de 100% sur leur commerce, dont 92% s'effectuera de manière immédiate, 7% à court et moyen terme, et 1% à long terme, avec des périodes prédéterminées. Numéro 2, l'intégration des quatre bourses des valeurs. La réforme financière approuvée au Mexique a permis que notre bourse des valeurs s'incorpore au marché intégré latino-américain, MILA, dont les marchés financiers du Chili, Colombie et Pérou sont déjà membres. Numéro 3, la mise en œuvre d'un système de certification d'origine électronique digitale entre les pays de l'Alliance comme mesure concrète de facilitation du commerce. Numéro 4, la suppression des visas pour les touristes et les hommes d'affaires. En outre, l'établissement du visa Alliance du Pacifique qui serait destiné aux touristes des pays tiers. Objectif, coopération. Numéro 1, la consolidation d'un réseau de recherche scientifique autour de l'environnement, entre autres, l'attribution des bourses annuelles, plus de 400 aux étudiants de troisième cycle annuellement. 3, la promotion économique coordonnée des pays membres de l'Alliance du Pacifique dans d'autres parties du monde, comme par exemple la Turquie et le Maroc. Outre que les perspectives de l'Alliance elle-même, simplement dans le cas du Mexique, en ce qui concerne la position de mon pays face à cet accord, ceci s'inscrit dans un contexte que vous connaissez, de profonde transformation suite aux réformes qui ont été approuvées
eh bien, sont en train d'être mises en place grâce à l'accord politique des principales parties. Les réformes dans le domaine énergétique, politique de télécommunication, du travail et de la fiscalité et de l'éducation ouvrent la voie au renforcement du capital humain, de la compétitivité, de la transparence et de la sécurité juridique commerciale, ce qui permettra que le pays devienne une économie plus compétitive et davantage attractive aux investissements internationaux et un bon nombre, bien sûr, de la mise. Il y a aussi la diversification commerciale qui fait partie de nos buts. Et par exemple, je peux vous dire que dans ce sens-là, le partenariat transpacifique, c'est un outil que nous allons utiliser pour être plus proche de l'Orient, plutôt bien sûr de pays comme par exemple la Chine. Et là, je peux vous dire qu'avec la Chine, on a modifié tout à fait notre politique. C'était une politique qui était un peu défensive, mais on a remarqué que ce n'est pas seulement des importations de biens finaux que nous avions ici, mais beaucoup des importations de biens intermédiaires. Alors, ce qu'on peut faire, c'est une alliance stratégique avec la Chine. Et on commence à changer cette politique. La preuve de cela, c'est que le président de la Chine est venu en novembre passé à une visite d'État. Le président mexicain va aller en novembre de cette année à une visite d'État en Chine. Alors, c'est un changement de 180 degrés dans cette politique-là. Et je vais vous dire, bien sûr, car je suis en France, nous avons aussi un grand changement et un relancement de la relation après une situation où il y a mancha, non plus au programme, comme disait Cervantes. Maintenant, il y a un relancement des relations, et sur ce sens-là, par exemple, en 2013, simplement, on a eu le record de plus de commerce entre la France et le Mexique que jamais, 14% de croissance, mais c'est encore un potentiel qu'on doit accroître avec une association stratégique avec la France dans tous les domaines, qui commence bien sûr dans le domaine de l'éducation. Simplement, maintenant que le président Hollande va être en visite officielle au Mexique, en visite d'État au Mexique en 10 et 11 avril, 50% de tous les nouveaux traités et accords qu'on va signer, ça va être sur l'éducation. Le reste, bien sûr, politique, économique, culturelle, etc. Alors, le relancement, c'est du sérieux. Merci beaucoup, M. Ambassadeur. Gracias. Gracias por hacer el honor, además, al lema, el respeto a la elección entre las naciones de la paz, por la equidad en la toma de la palabra, por la equidad dans la prise de parole de ces pays ici représentés dans par les intérêts pacifiques. Je vais passer la parole à l'ambassadeur Jorge Eduardo Valdez, ambassadeur du Chili. Je me permettrai d'exercer de façon autoritaire ma fonction de modérateur, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Je considère que le cadre que nous a donné l'ambassadeur du Mexique, mon ami et collègue, est très complet. Je suis tout à fait d'accord avec tous les détails qu'il a donnés. Et c'est un cadre qui permet d'être assez optimiste dans notre région. Alors je l'appuie et je ne veux pas le répéter. Je veux faire quelques réflexions sur cette situation, cette alliance. Je crois que l'intégration en Amérique latine a toujours été un défi extrêmement difficile. Et peut-être c'est la nature même de nos cultures, de notre région, qui a jusqu'à quelque temps est très difficile de s'unifier. Quand j'ai commencé mon travail de diplomate chilien, que j'ai fait d'une façon assez interrompue et transitoire quand même, et quand j'ai commencé au ministère des Relations étrangères chilien, au début des années 60,
On m'a donné un dossier qui disait en espagnol « Anteproyecto de zona de libre comercio ». Avant projet de zone de libre commerce. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'ai étudié la question. J'ai fini par participer à toutes les démarches pour faire le traité de Montevideo. J'ai été délégué du Chili au GATT, cet organisme très mystérieux qui faisait un peur énorme à diplomates de l'époque. Et j'ai expliqué à cet organisme des raisons pour lesquelles nous faisions le traité de Montevideo, nous faisions des exceptions aux règles générales du commerce international pour créer un marché commun latino-américain, une zone de libre commerce, comme on disait plus modestement en Amérique latine. C'est un travail énorme et c'est un travail qui a abouti jusqu'à un certain point et qui n'a pas abouti finalement comme il fallait que ça se passe. Et ça m'a enseigné beaucoup de choses sur cette difficulté qui ne venait pas exactement du GATT et de ces organisations, mais qui venait de nous-mêmes, d'une difficulté pour avancer dans un commerce, dans une relation, même politique, saine et valable. Maintenant, je suis en train d'étudier, et vous allez être surpris peut-être, je suis en train d'étudier l'œuvre d'un grand Mexicain, Octavio Paz. Parce qu'on célèbre le centenaire de l'œuvre d'Octavio Paz maintenant. Et alors, je trouve une chose. Octavio Paz a toujours une explication, même psychoanalytique, avec un côté social, un côté philosophique, sur la difficulté pour les Américains d'Amérique latine de sortir de la solitude et d'arriver à la communication qu'il appelle quelquefois communion entre nous. Et quand on lit avec attention, par exemple, le labyrinthe de la solitude, le labyrinthe de la solitude, on voit quoi? On voit que même l'intégration à l'intérieur de nos pays est énormément difficile. Même l'intégration entre nous-mêmes, c'est difficile. Et l'intégration avec les voisins latino-américains est un problème sérieux et très difficile à résoudre. Et dans toute la pensée politique, littéraire, philosophique d'Octavio Paz, il y a cette amertume même de ne pouvoir pas se communiquer bien, même avec nos voisins du même pays et plus encore avec les voisins des autres pays de l'Amérique hispanique. Moi, je me demande, par exemple, plusieurs fois, peut-être je ne suis pas très diplomate, on me dit, je ne sais pas, je suis un diplomate par intérim, transitoire, par définition, parce que j'ai été hors de la diplomatie et je suis rentré dernièrement à un âge avancé, comme vous comprenez. Mais je me demande quel est le fond du problème et pourquoi les Brésiliens, par exemple, ont réussi à maintenir l'unité du vieux empire portugais en Amérique latine et nous, nous sommes divisés de la façon où nous nous sommes divisés. Alors je pense que peut-être le fait que les Portugais les Brésiliens étaient moins doctrinaires et moins jacobins que nous. Ils ont fait une transition profondément pacifique, une indépendance où on n'a pas fait une seule bataille, où le cri de l'indépendance était le cri de l'héritier de roi du Portugal, le prince, qui a dit « Eu fico, je reste ici ». Et ça a été une révolution extraordinaire. Et nous sommes battus d'une façon quelquefois féroce. Et nous sommes arrivés à des formes diverses
d'anarchie. Et nous avons eu trop de caudillos qui étaient un mauvais héritage espagnol. Parce que l'Espagne était la terre de caudillos et de caciques. On employait même une expression adaptée à l'Amérique latine, par l'Espagne, pour nommer les caciques, les hommes du pouvoir local. Alors nous avons hérité beaucoup de ces choses et nous avons eu une longue période de douleur, de frustration, etc., et d'incommunication essentielle. Je pense que le Chili a eu un 19e siècle assez pacifique. Je ne sais pas si, par quelle raison, je ne suis pas sûr. Peut-être notre révolution était moins jacobine. Peut-être il y a eu une influence anglaise, conservatrice, réformiste, parce que notre libérateur a un nom si peu espagnol qu'il s'appelle O'Higgins, irlandais. Et cet irlandais a été éduqué par son père, qui était le gouverneur de la colonie. Il a été éduqué à Londres, pas en Espagne, même si son père était un général qui travaillait pour l'Empire espagnol de l'époque, un général irlandais catholique qui travaillait pour l'Empire. Mais il a préféré d'envoyer son fils à l'Angleterre. Et la conséquence a été que Fernando Higgins, quand il était au pouvoir au Chili, a demandé à un Vénézuélien qui habitait en Angleterre, qui s'appelait André Bello, d'aller au Chili et d'organiser la législation du nouveau pays. Et alors, André Bello, après 17 ans en Angleterre, après s'être disputé avec Bolívar, a fini à Londres et ensuite il est passé à Santiago. Alors il y a eu des éléments différents qui ont fait qu'on développe l'idée au Chili d'un état de droit. Et on a développé ce qu'on appelait la religion de l'État. La religion de l'État est ce qu'on appelait aussi l'Estado en forme, l'État en forme. Mais notre 20e siècle a été absolument différent à tout ce 19e siècle dans plusieurs sens. Alors, je pense le suivant. Quand j'ai commencé dans la diplomatie chilienne, le Chili vantait le 90 ou 95% de toute sa production aux États-Unis. Les États-Unis étaient les seuls clients. Et ils ont ensuite que le cuivre était le produit qui dominait tout à fait presque à 95% de l'exportation chilienne. Une partie de ce cuivre allait en Europe après, mais le grand client et le grand pouvoir étaient les États-Unis. Et on voyait les situations des autres pays. Et c'était tous les pays latino-américains, des pays qui orientaient leur exportation à un centre qui était hors de l'Amérique latine et qui ne se communiquait pas entre eux. Et alors cette situation, on appelait de compartimentos estancos. Chaque pays latino-américain était séparé et vivait et produisait un rapport avec les grands centres économiques, les grands centres politiques. Alors on parlait beaucoup, avec une assez importante raison, de l'impérialisme étranger qui nous dominait. Ce qui s'est passé dans les dernières années, qui est une modernisation de notre économie, et qui est parce que ce qui est arrivé dans tous les pays, que l'Alliance du Pacifique, le Mexique, la Colombie, le Pérou et le Chili, de différentes façons, c'est un développement où on commence à diversifier l'exportation et à avoir des clients différents. Je peux vous parler du cas du Chili brièvement parce qu'on me donne une demi-minute. Je peux vous dire que
le Chili qui avait tous ses rapports avec seulement les États-Unis, maintenant un. Un troisième, ou plus que d'un troisième de ses exportations en Asie, Chine, Japon, l'Inde, beaucoup d'autres, Thaïlande, à peu près un peu moins d'un tiers en Europe, et un tiers en Amérique, mais le tiers, c'est très intéressant, le tiers qu'on exporte en Amérique, on ne l'exporte pas seulement aux États-Unis, on exporte beaucoup au Brésil, beaucoup en Argentine, et beaucoup maintenant dans l'Alliance du Pacifique. Alors je pense que cette ouverture, cette différence a permis que nous faisons de commerce entre nous, que nous faisons un système qui permet un développement de notre économie, de nos sociétés, de notre démocratie, de notre éducation, qui est quelque chose, pour moi, est un grand phénomène historique. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à l'ambassadeur Vicina Velita, de l'ordre ambassadeur du Pérou. Bonsoir. Je voudrais remercier l'invitation à cette soirée à notre directeur de cet institut de Chine politique, François Grignot, et aussi mon ami de la Côte de Mexique, qui a organisé cette réunion de l'Alliance Pacifique. Mon exposé va traiter des trois points. Le groupe TENI, les pays socérateurs et la position du Pérou en face de l'Alliance Pacifique. Le premier point, c'est le groupe TENI. Le groupe TENI a été constitué lors du premier sommet de l'Alliance du Pacifique à Lima, le 8 avril 2011, comme un instrument pour coordonner et exécuter les actions à être effectuées dans le cadre de ce processus d'intégration dans les zones spécifiques qui sont priorisées. La configuration du groupe de travail a été en permanente évolution tout au long de ces trois premières années d'existence de l'Alliance du Pacifique. Des quatre groupes à l'origine, nous sommes passés à 14. Ainsi, la conformation actuelle des groupes de travail est la suivante. Premier, commerce et intégration. Le processus de la négociation du protocole additionnel à l'accord cadre a été divisé en sous-groupes de travail dont des sujets tels que les règles d'origine, libération des terres, facilité de commerce et coopération douanière, obstacles techniques au commerce et mesures sanitaires et phytosanitaires. Deuxième, services et capitaux, qui jouent aussi un rôle important dans la négociation du protocole, en particulier dans les chapitres comme le commerce transfrontalier de services, les services professionnels, le commerce électronique, investissement, services financiers, services de télécommunication et transport maritime. Troisième, circulation d'hommes d'affaires et facilitation du transit migratoire qui s'occupe de la coordination des mesures en rapport à la suppression des visas de tourisme et d'affaires entre les pays membres, ainsi que des autres initiatives, celles de l'assistance consulaire et guide voyageur. Quatrième, la coopération. Qui joue un rôle fondamental dans la constitution de la plateforme de mobilité d'étudiants et d'académiciens et les réseaux scientifiques de changement climatique, ainsi que la substitution de l'accord de fonds de coopération. Cinquième, affaires institutionnelles, constituées pour traiter les questions juridiques en rapport à l'accord cadre et le protocole additionnel, et finalement, la révision légale au protocole. Sixième, stratégie de communication. Chargé de la discussion et l'image du processus. Septième, tourisme. Chargé de mettre en route les compromis contenus dans l'accord de coopération dans la matière. Huitième, amélioration régulatrice qui a pour but d'adopter et d'améliorer les standards régulatoires des pays de l'Alliance du Pacifique. Neuvième, propriété intellectuelle qui a pour but de préparer et de mettre en œuvre un plan de travail avec des actions conjugantes spécifiques de coopération entre les bureaux de protection intellectuelle des pays de l'Alliance. Dixième, petite et moyenne entreprise, PYMES, qui doit définir les mécanismes de soutien pour assurer que les PYMES
nous vivons des opportunités offertes pour la viande pacifique. Onzième, transparence fiscale internationale, qui doit développer des actions pour l'exécution du compromis de l'Alliance avec la transparence fiscale internationale et la lutte contre l'évasion et l'évasion d'impôts. Douzième, comité d'experts pour analyser les initiatives du Conseil empresarial. Treizième, relations extérieures, qui devra définir et exécuter une stratégie de relation entre l'Alliance et les pays observateurs et tiers. Quatorzième, innovation, qui a pour but de définir et de proposer et de coordonner les programmes et les activités qui se traduisent dans des améliorations productives et compétitives pour les pays de l'Alliance. Deuxième point, c'est les pays observateurs. L'Alliance du Pacifique permet la participation au comité d'observateurs des États qui les demandent. Dans son article 10, l'accord de cadre dispose que les États qui demandent la participation comme les États observateurs de l'Alliance du Pacifique pourront être admis avec l'accord unanimité du Conseil des ministres qui définira les conditions de sa participation et les pays intéressés devront travailler le principe de solution établi par l'accord cadre. L'Alliance du Pacifique comprend 30 États observateurs. Costa Rica, Panama, Canada, Uruguay, Australie, Nouvelle-Zélande, Espagne, Guatemala, Japon, Paraguay, Portugal, Honduras, El Salvador, France, Ecuador, République Dominicaine, Chine, Corée du Sud, États-Unis d'Amérique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Italie, Pays-Bas, Finlande, Angleterre, Singapour, Israël et Maroc. Quels sont nombre croissant des États observateurs, les ministères des Affaires étrangères et du commerce extérieur ont ordonné la création d'un groupe de travail qui que ça renommé le GREC, signifie le groupe de relations internationales, qui va définir une stratégie de rapport avec les pays de la guerre du Pacifique, les États observateurs et tiers. Le troisième point, c'est la position du Pérou en face de la guerre du Pacifique. Quel est le bénéfice de son perspective? Pour le Pérou, l'Alliance du Pacifique est un mécanisme d'intégration qui doit contribuer à la croissance économique avec l'inclusion sociale. C'est aussi un instrument grâce auquel les quatre pays membres, Colombie, Chile, Mexique et Pérou, peuvent obtenir ensemble une plus grande position internationale. À partir d'une base économique, económico-comercial. La Alianza del Perú ha creado un importante dinamismo de trabajo con Yuan, donde otros domingos son todos. Por la libre circulación de bienes, de servicios y de capital, por la libre circulación de personas, por la cooperación que tenemos con ellos ya el turismo, así de embasar, partager y de bureau comercial con Yuan, y así por un efecto donde relación con los países mundo. Pour le Pérou, cette alliance ouvre une voie pour attendre la consolidation des exportations de 86 000 millions de dollars en 2016, que c'est notre avenir. Le Pérou dépasse sa situation géographique en Afrique du Sud. Le Pérou dépasse sa situation géographique en Afrique du Sud est situé dans un contexte géopolitique très important en Amérique latine. Qui peut le convertir dans un futur en grand centre d'exportation d'aliments vers le monde. C'est une vision nationale parfaitement compatible avec ce partenaire régional. De même, il existe au Pérou une place pour les investissements dans des secteurs d'exportation non traditionnels, comme l'agro-industrie, avec 400 000 hectares habilités pour l'agro-exportation, dans les projets d'irrigation de hormones, l'agro-industrie, chinecas, comme un gage. J'avais mon chiffre, la liberté, et ma récente. Il faut noter la visite des chefs d'entreprise mexicaine, colombienne et chilienne, intéressés pour établir des contacts avec un homologue peruvien, parce qu'ils savent que le Pérou dispose de grandes quantités de ressources pour la production. Le président, le président Timar, le président Antonio Francofil, a un horizon très clair de ce qu'il veut faire. Dans ce domaine, le secteur privé soutient une certaine entreprise de promotion de potentialité commerciale du pays. Le voyage officiel que le président effectue, accompagné par des fonds d'affaires de différentes corporations,
domaine de commerce, d'investissement et de tourisme. Ceci donne à l'Alliance au Pérou une solide base de départ sur le futur profit de l'agriculture. Merci. 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 Merci beaucoup, M. l'ambassadeur. Je vais immédiatement passer la parole à l'ambassadeur Federico Gentil, l'ambassadeur de Colombie. Merci à vous, les équipes de transport, les étudiants, les collègues ambassadeurs de la Colombie. On m'avait dit de faire un raconte sur les ici et de dire qu'est-ce que, en quel état était la négociation de la dernière sommet qui a eu lieu avec notre président. Je vais changer un peu cette schéma, parce qu'on a déjà vu ce qui a été dans cette réunion de l'Assemblée. Mais je voudrais dire avant quelque chose, que je pense sérieusement, je participais moi-même dans la dernière, pas dans la dernière, dans la sommet du président à Cali. Il y avait eu tous les présidents de quatre pays, il y avait eu de autres présidents qui ont eu intérêt à la fonction peut-être dans cette témoin. Il y a eu le président de l'Espagne, il y avait eu le président du Guatemala, le président du Costa Rica, le premier ministre du Canada, le ministre du Japon, le premier ministre de Nouvelle-Zélande. Et c'est vraiment un intérêt énorme. Il y a 30 pays qui sont en ce moment commencés à faire ce traité. Il y a eu le ministre du commerce de la Nouvelle-Zélande, le secrétaire du commerce de l'Australie et le vice-ministre des relations extérieures du Japon et le vice-président de l'Uruguay. Et quelle est la raison pour que 30 pays soient attentifs à ce qui se passe dans cette alliance Asia-Pacifique? Je pense que l'ambassadeur du Chili l'a dit d'une façon très. Je pense que c'est la première fois, par contre, c'est la première fois qu'il y a en Amérique latine une alliance, une côté si profonde et si rapide. Je ne sais pas si le monde, mais si rapide. On a signé le traité en juin 2012 au Chili, le président a signé. Et maintenant, on est dans la 8e sommet. On a fait déjà des protocoles que vous avez mentionné, à Cartagène, à Cali, on a fait des déclarations politiques en avançant beaucoup plus rapide des présidents qui est le même négociateur de techniciens, mais on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine des accords et de déclarations. Pourquoi? L'ambassadeur du Mexique a dit aussi, parce que ça peut être, si on pouvait le faire comme une fiction, la 10e économie du monde, si on pouvait faire l'addition de combien d'habitants, 220 millions, de combien de chiffre d'affaires, de combien, 550 millions de milliards, enfin, de, 500 millions, millions de pesos, de dollars. Et plus de 36% du PIB de l'Amérique latine. Ce sont des pays qui ont, comme vous l'avez dit, de la démocratie, de libre marché. Ils pensent qu'on peut s'ouvrir au monde et qu'on peut des traités avec beaucoup de pays comme l'Union européenne, mais aussi comme les États-Unis, qui est là, après avoir fait la première accord, ont avancé pour faire aussi des accords pour les personnes, pour les services. Et on est en train déjà, on a démarré déjà l'éducation qui a été mentionnée ici, les bourses, la bourse du MILAC et la bourse de Chili, Pérou et de Colombie. Après, c'est dans le Mexique, dans des accords pour avoir une fonds de coopération pacifique, un réseau de recherche scientifique. Une coopération des services d'immigration, ils ont éliminé les visas. Et tout ça a été fait, je répète, en moins de deux ans. Dans le protocole qu'on a signé en
passagers, enlever toutes les taxes douanières, 92% des taxes. Mais avant de 6 mois, on doit, avant de 6 ans, 2 ans avant, on va arriver à 98% des articles. Et après, il y aura aussi des possibilités pour faire dans les marchés publics, les appels d'offres publics, les accords de participer. Et la plus importante, il y aura la possibilité de contenu national de valeur ajoutée à marchandises. Pour qu'on puisse commencer une chaîne de production économique et après commencer une chaîne de production politique au Pérou, au Chili. On a fait des cours de maîtrisement, on a fait une comité pour les populations du secteur privé. Et dans la coopération consulaire, il y a eu un accord aussi pour les membres de l'Alliance, pour la représentation consulaire dans différents pays. Je veux vous donner deux exemples. Ici, à Paris, la Colombie a fait la feuille de route pour entrer à l'OCDE, comme vous l'avez dit, puisque le bazar du Mexique, seulement le Mexique, de l'Amérique latine, le Chili sont dans l'OCDE, le Pérou fait le travail pour être dans le centre. Et après, sûrement, sera intéressé. Nous sommes intéressés par entrer, on a été invités et on est en train de faire la Colombie un effort énorme pour aller dans la société. Et il y a déjà, ici à Paris, un bureau qui est le bureau de Chili qu'on a partagé, on partage. Les Colombiens partageront le bureau de Chili, des bureaux de Chili de la société. Mais au contraire, on a fait en Algérie, avec le Pérou et le Mexique, dans d'autres pays, on a déjà des bureaux communs. Ça, c'est très important. Je pense qu'on vous, que c'est le moment où il y a beaucoup plus de raisons pour les thérapies, beaucoup plus de raisons pour que nous, les Latino-Américains, comprenions qu'on a un destin commun. Nous ne sommes pas égaux, nous ne sommes pas les mêmes. C'est aussi un traité qui n'exclut pas les autres, qui est invité à Costa Rica. C'est un traité qui est ouvert pour avoir, parce que ce n'est pas un traité politique, un traité qui est ouvert pour avoir une représentation derrière avec d'autres pays. C'est parce qu'on a fait un échange pour la diffusion de bonnes pratiques patronales en matière de petites et moyennes entreprises, avec des classes de groupes techniques d'innovation. En fait, on a déjà ici raconté que c'est présent les domaines qui ont les accords et les protocoles de déclaration des pays pour l'économie, c'est celle de l'économie. L'économie, selon les techniciens, dès qu'on fait signe l'accord, on peut penser que le PIB va devoir monter 0,7. Donc, pardon, 1 minute ou 1 seconde. L'augmentation des investissements va arriver à 1,4% de plus. Les exportations par an, bien sûr, devraient augmenter 0,9. On devra avoir 45 000. C'est une réalité énorme pour le pays, énorme pour nous, pour tous, nous qui sommes nous aides. Allez, nous à cette partie. Merci. C'est vrai, alors merci. C'est la tyrannie du temps qui nous oblige, surtout parce que nous avons certainement aussi, dans l'assistance, dans le public, quelques questions et des temps qui sont très serrés. C'est très important de dire que monsieur l'ambassadeur, il va en Espagne pour être ce qu'il est. C'est son dernier activité à Paris. L'histoire d'un des qui était porté de l'Angleterre pour faire
nous, on a copié le protocole de Bayeux. Alors, c'est tout ça là, peut-être qu'il n'est pas tellement espagnol, mais en fait. Merci. Merci beaucoup. Les agendas des ambassadeurs sont très très serrés. Alors, nous avons essayé de faire mieux. S'il y a des questions, quelques questions, nous avons fait circuler des papiers. Voilà. S'il y en a d'autres, on pourra les choisir. Je m'en tiendrai à la détermination de nos invités d'honneur s'ils ont doivent partir ou si on va se faire. Vous devez partir à un moment donné. Faites moi signe, hein, parce que si je suis sûr qu'il y a énormément de questions qui vont vous arriver. Pendant que le papier afflue, juste deux remerciements. De remerciements aux personnes qui sont là et qui seront, je l'espère, ici avec nous bientôt de nouveau pour pouvoir parler, pour pouvoir faire des tables rondes ou des séminaires, des conférences avec un peu plus de temps. Je pense en particulier à M. Arturo Hernández Garza, qui est le représentant permanent adjoint du Mexique auprès de l'OCDE. C'est un honneur. Et à M. José Antonio Valladolid. Le chef de l'unité sur l'Amérique latine et la Caraïbe, ou les Caraïbes à l'OCDE. Merci vraiment de vous avoir ici. J'espère qu'on pourra vous avoir une nouvelle fois et cette fois-ci avec des interventions de votre part aussi. Juste avant de traiter ces questions, je voudrais aussi dire, mais ça, si les ambassadeurs vont s'échapper pour des raisons impératives, nous avons aussi le livre à vous offrir. Voilà, première question. Est-ce que vous pouvez parler de l'énergie au Mexique et en Colombie, en particulier les réformes en cours, les réformes, la réforme de l'EMEX, et le projet. Alors, je ne sais pas. C'est pas ce que c'est. La question, c'est ce que je dois dire. En Colombie, on a une. Je sais pas où est-ce qu'on va là, la réponse. En Colombie, on a un système d'énergie qui est très développé. On a une distribution indépendante de la transmission, indépendante de la génération d'énergie. On a une capacité de 1000 MW de production d'énergie. On a un régulateur qui est très fort, très fort, indépendant, et on fait chaque plusieurs années un calcul de quel est le croisement de la demande d'énergie, et on met des offres où il y a des privés qui viennent faire des engagements et les plaintes d'électrique ou de gaz. Ça marche très bien. Mais ce qui est très très important, c'est pour ça que je pense que c'est très important, c'est que le Mexique et la Colombie, et je pense que tous les autres pays d'Amérique latine, ont envie d'avoir une interconnexion. Il y a déjà une interconnexion entre la Colombie, l'Équateur, quelque chose dans le Pérou, il manque le Chili. On a un effort qui est derrière le BID pour faire des régulations dans l'Amérique du Sud qui peuvent marcher. Dans l'Amérique centrale, le Mexique et l'Amérique centrale, ils sont en train de faire des partenaires pour faire des transitions. Il y a des pays dans l'Amérique centrale qui changent d'énergie. Et dans le futur, ce qui est bien pour les consommateurs, il y a de l'énergie la moins chère possible qui est générée n'importe où. L'énergie, c'est coûteux. Ce n'est pas parce que ces facilités qu'on appelle sont des ressources naturelles adéquates. C'est pour cela que je pense que ce projet qui est tellement intéressant, la Colombie et d'autres pays, va aboutir, on va vencer les barrières qui sont, par exemple, dans le cas avec le Panama, parce qu'il y a une forêt. Il n'y a pas de marine de régulation qui n'est pas facile. Mais ça va marcher, c'est logique. Et ça sera une très grande raison.
Monsieur, je dirais que, pour l'économiste, bien sûr, que pour être productif, il y a beaucoup de façons. Il y a bien sûr le coût du capital humain, c'est un facteur. Monsieur, mais il y a aussi d'autres facteurs, et un facteur de plus en plus important. On avait à l'OCDE, on a entendu Mme Merkel en disant que c'est un grand problème pour l'Europe, parce que maintenant, les États-Unis, qui ont toujours une façon de venir tout productif, donc toujours les États-Unis, c'est épuisé. Mais ils inventent quelque chose, soit plus productif, ou bien c'est l'informatique. Et maintenant, c'est l'énergie qui se passe. C'est un tiers des coûts de l'Europe, c'est le gaz de Texas. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on doit exploiter aussi et que ça va nous donner de l'énorme productivité. Et dans le cas du Mexique, ce n'est pas seulement ce qu'on fait déjà depuis le Texas Mexique pour avoir ce gaz beaucoup moins cher, mais aussi de produire d'autres beaucoup plus chers, nos hydrocarbures, et d'une façon soutenable. Alors, dans ce sens-là, comme vous savez, pas comme la République qui l'a déjà, mais le Mexique, avait une constitution qui ne leur permettait pas d'avoir des investissements privés de la façon qu'on voulait, pour exploiter surtout les gaz de schiste, pour exploiter le pétrole dans les sous-marins. Alors, dans le patrimoine sous-marine, alors ce qu'on a fait, c'est assez révolutionnaire, parce que je crois qu'il y a une révolution de la révolution. On ne pouvait pas rester tout à fait marginé de cette révolution. Donc il fallait faire que le Mexique puisse exploiter d'une façon beaucoup plus rationnelle le pétrole, le gaz, mais aussi ce qui était très intéressant, si vous voyez maintenant la réforme, ce qui est un exploit énorme, je crois, seulement dans une année de la administration du président Peña Nieto, nous avons tellement de réformes et surtout, la réforme la plus importante, je crois, à la fin, avec toutes les autres réformes, parce que toutes les réformes sont importantes, c'est celle de l'énergie qui va donner ces grands sauts d'investissement et de productivité. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde croyait que c'était une réforme seulement d'hydrocarbures. Et ça, c'est très important, bien sûr. On a déjà le changement constitutionnel, qui n'était pas facile. Et c'est seulement grâce aux agréments politiques que ça a été possible. Mais aussi, on a dit, bon, on doit avoir un bénéfice tout de suite pour la population de cette réforme. Mais c'est difficile parce que cette réforme, c'est lent d'avoir tous les investissements privés pour que ça soit senti dans les poches de nos femmes et de nos citoyens dans le pays. Alors, il y avait des autres problèmes, et de grands coûts, par exemple, pour l'électricité. Alors, c'est là où notre réforme n'était pas seulement une réforme hydrocarbure, qui va bien sûr être très bénéfique pour la compétitivité, et par exemple, si le business, mais aussi la génération de l'électricité a tout à fait changé. Et maintenant, ça va être possible aussi de faire des combinaisons avec CPE, avec de l'investissement privé, de la génération privée. Et bien sûr, on va se bénéficier de plus en plus de ces domaines-là. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, et je fais de ces accords au BIT, où on est en train de faire une interconnexion avec la planète centrale. Et on espère comment on va dépasser le tapon de la ligne, sur le faire bien sûr avec la Colombienne, le reste de nos partenaires. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On a fait beaucoup de questions, parce que nous sommes victimes de notre succès. En particulier, quelle est l'attitude du Brésil face à l'Espagne? Que peut-on attendre du Brésil? Comment pas pacifique. Je pense qu'il faut voir cette alliance comme une alliance.
passé, c'est où? C'est le pays plus grand, c'est le pays le plus grand. Ça, c'est une chose. Je n'ai pas à prendre d'autres projets, des façons de faire négatif. Coincido con la que yo creo que los profesores de la vida tienen que divertir. De hecho, pienso que Brasil ve tan muy inquieto en el proceso de la vida. Personalmente, se cambia post-política, económica, de la especie científica, en la vida, y yo creo que es una cosa post-enorme, de la vida de Brasil. Sí, una serie de questions. Le rôle de la France. Quel peut être le rôle de la France? Et d'autres questions sur la référence au rôle des pays observateurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de parti? Est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur ce sujet-là? Oui, très vite. Je crois que, premièrement, la France a été tellement intéressée à l'Alliance. Ils ont fait beaucoup de lobbying pour être observateurs, ce qu'on était ravis parce que ça voulait dire qu'ils voulaient vraiment faire part. Il y a eu au commencement de c'est d'ailleurs au milieu de l'année dernière, une grande conférence en France-Amérique. Il y a eu les ministres de nos pays qui ont venu pour expliquer ce qui est l'Alliance. Mais ce que je vais vous répondre, c'est que je crois que de plus en plus, la France a une attitude beaucoup plus positif pour l'Amérique latine. Ils croient, ils voient, et c'est ça que nous sommes en train de faire avec le Chili, c'est pareil avec la Colombie, le Chili, de faire des associations stratégiques, parce que avec la France et nos pays, on peut faire des choses qui peuvent nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs. Je mets un exemple de notre pays. C'est par exemple le Mexique, ce qui est l'aéronautique. De l'aéronautique, pour la France, c'est très important d'avoir des chaînes de valeur qui passent par des marchés en Amérique, parce qu'il y a un énorme marché de dollars, qui est un marché aéronautique. Et bien sûr, avec l'euro, on ne peut pas le rentrer. Alors, ce qu'on est en train de faire avec la France, c'est que le Mexique avait, il y a 10 ans, zéro. L'exportation de l'aéronautique. Maintenant, on a 5 milliards. Et partie de ça, c'est une alliance avec le Brésil. Nous, on veut que le Brésil vienne avec nous et soit de plus en plus, c'est-à-dire avec le marché, avec le solidarité avec le Brésil, avec les autres pays de l'alliance. Et là, Embraer est une exception. Des pays comme des compagnies canadiennes, par exemple, américaines, mais aussi Airbus et Safran, où c'est justement, pas seulement dans le domaine de la production, dans le domaine de la capacitation, dans le domaine de la recherche, où on essaie d'avoir cette association stratégique. Et je crois, de plus en plus, la France le voit comme un bénéfice. C'est ce qui était assez intéressant, c'est que, par exemple, pour faire ça, nous, il va y avoir un fonds d'investissement avec des capitaux, pas français, mais des capitaux mexicains ou des compagnies françaises qui veulent venir au Mexique pour fournir les grandes compagnies. Et par exemple, Airbus est en train, en 2015, va ouvrir une plante des avions. Vous avez un an, ils ont dit, pour faire la compétition entre l'autre compagnie la plus forte, c'est bon, il faut le faire en place. Donc, il faut le faire de l'État-Unis et une association avec les Mexiques et les autres pays peuvent être fournisseurs de cette industrie française européenne aux États-Unis peut être un win-win situation. Merci. Alors, plusieurs questions ont trait à la question des relations entre les différents blocs, entre les différents ensembles régionaux qui se constituent au cours des. Et dans les derniers mois, le Mercosur, bien sûr, on a parlé de plusieurs des pays membres pris à tous les uns
séparément, mais aussi Bounassouf sur cette initiative, et aussi l'ALBA, qui a été plus récemment, avec des relations parfois tendues, peut-être, ou à géométrie variable, peut-être en langage plus diplomatique. Ça, c'est la règle aussi. D'abord, je voulais compléter l'opinion de mon collègue de Mexique. Pour Pérou, la question de France, France comme pays observateur est très importante. Parce que depuis plusieurs années, nous commençons à renouveler le rapport franco-péruvien. Et cette guerre du Pacifique nous aide beaucoup. Le point de vue de l'éducation, le point de vue de l'éducation, le point de vue scientifique aussi, on est à la hauteur de l'Institut Pasteur, Pasteur, l'hôpital en propos de Toulouse, le point de vue de l'hôpital aussi, parce que mon président était attaché au ministère en France, c'est comme bien, et aussi le point de vue de la culture aussi, sur mon thème de ce rapport de l'énoncé pour les nouvelles étapes de Toulouse. Mais la guerre du Pacifique nous a aidé beaucoup parce qu'on était en ensemble. Et la question de France, le temps de Pérou, c'est très important pour nous. Et pour la deuxième question de la porte à l'Europe de l'Alba, je mets la question à mon collègue colombien. La papa caliente. La Colombie n'est pas de l'Alba. Mais ce sont des choses différentes. Il ne faut pas comprendre. Ça, c'est un traité qui est de profondeur économique. Mais ça, ce n'est pas un traité qui est contre le Mercosur, contre l'Alba. Ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'il y a un contenu politique. Bien sûr. Mais nous devons partir de la réalité de que chacun, c'est la politique. C'est ça la politique de la politique, respecte les autres. Et nous, sur la vue de chacun. Il y a dans l'Alliance Pacifique, on l'a dit déjà, des principes comme tous nous avons les mêmes principes, de marché, de libre-marché, de démocratie. Il y a quelques principes. On a dit à Costa Rica et à des autres, pour faire part après les autres, de l'Alliance, pour avoir ces principes en moins. Mais, parce qu'on partage ça. C'est pour ça que ça a été beaucoup plus surprenant. Mais c'est vraiment une autre question différente de la conférence. La première fois, pas par la conférence. Et puis je suis pour la première fois de ma vie, il y a trois mois, je ne veux pas mettre en péril. Merci. Alors, je suis désolé, je sais qu'il y avait d'autres questions. J'en ai, en revanche, si vous me permettez, une dernière qui m'a semblé intéressante. Quel a été l'effet? Est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu un effet indirect des traités de libre-échange que les pays de l'Union ont signé avec les États-Unis? Est-ce que ça a facilité, ça a permis de mettre en place une sorte d'expérience de régulation économique auparavant? Est-ce que ça a permis de faire avancer d'une certaine façon la création de l'Alliance Pacifique? Une bonne question. Parce que nous tous, nous avons un traité avec les États-Unis, mais aussi avec l'Union européenne. Et c'est une bonne question. Je pense que c'est facile. Bien, nous avons plein de traités, tous les pays, avec les autres régions du monde. J'ai ici la liste. Je ne sais pas si c'est la liste là. La liste là. Et tous les pays de l'Alliance ont des propos de traités plus ou moins les mêmes. Et par exemple, le Chili a 22 accords commerciaux avec 60 pays. Colombie a 15 accords commerciaux avec 62 pays. Le Mexique a 19 accords commerciaux avec 52 pays. Et le Pérou a 17 accords commerciaux avec 50 pays.
Il y a autre chose qui est très importante, c'est très important pour tout le monde. Ce sont des pays qui ont une population très jeune. Nous aurons, dans 20 ans au moins, presque la moitié de notre population, je crois bien ça, en classe moyenne. Ça, c'est très important pour tout le monde qui veut voir cette annonce assez vite. Je vous remercie, à vous les étudiants, à vous les ambassadeurs, bien sûr, les ambassadeurs et les organisateurs de cette magnifique réunion. Merci encore. Merci encore à vous, Madame l'ambassadeur, Monsieur l'ambassadeur. Merci à tout le monde d'être venu. J'espère que nous nous reverrons bientôt dans ce genre d'exercice. Ça faisait longtemps que nous souhaitions faire plus d'événements, de manifestations pour la démocratie. Bravo.